Selon l'agence de presse syrienne Sana, les États-Unis ont transféré les commandants d'effet du groupe État islamique. Le rapport renouvelle les accusations que Washington soutient l'État islamique dans l'est de la Syrie. Selon Sana, des hélicoptères américains ont transporté des dirigeants de l'État islamique de la province orientale de Tayr al-Zour à Asaka, dans le nord-est du pays. Les commandants de l'État islamique blessés ont également reçu un traitement médical. Ces militants s'étaient rendus aux forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. Sanaa a également rapporté que plus tôt ce mois-ci, des hélicoptères américains avaient transféré 47 responsables de l'État islamique dans la même zone à Asaka. Beaucoup de ces commandants avaient fui les zones en raison des opérations de l'armée syrienne.